Donc une histoire de la guerre et un grand projet international qui réunit une cinquantaine d'historiens et d'historiennes, pour l'essentiel européens et américains. L'idée était d'offrir au public français une vue globale du phénomène guerrier depuis le début du 19e siècle jusqu'à nos jours. En fait, le choix de la périodisation est important. Le 19e siècle, début du 19e siècle, c'est l'émergence de la guerre liée aux États-nations. C'est le modèle que Clausewitz définit dans De la guerre. Et ce qui nous intéresse, c'est naturellement l'évolution de ce modèle sur deux siècles, comment progressivement il se délite, avec aussi un grand arc de violence qui traverse le 19e et le 20e siècle, et deux grands pics que sont naturellement la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, on essaie aussi de faire une histoire qui n'est pas naturellement simplement l'histoire des combattants, mais aussi l'histoire des civils. Comme vous le savez, les civils représentent entre 10 et 20% des victimes de la Grande Guerre, mais à l'heure actuelle, 80 à 90%. Donc, on a là aussi une grande évolution qui se fait sur deux siècles, et on intègre naturellement l'histoire des fronts intérieurs, l'histoire des femmes, l'histoire des civils, victimes des conflits. C'est aussi un élément très, très, très important. Le deuxième aspect important de ce projet, c'est aussi de faire une histoire qui n'est pas simplement centré sur l'Europe ou sur l'Occident. Trop souvent, les histoires de la guerre sont des histoires militaires, classiques, et puis des histoires qui sont exclusivement centrées sur l'Europe. Donc, cette histoire-là essaie d'intégrer le plus possible le monde non occidental. Donc, vous avez un chapitre, par exemple, sur le Japon, qui est passionnant, un chapitre sur la Chine, ou des chapitres sur l'Afrique. L'idée étant aussi de montrer comment la guerre est un moment de circulation. Circulation d'hommes, circulation d'idées, circulation de pratiques ou de rituels, un moment aussi d'échange, un moment d'interférence, un moment d'imitation. Bref, pas simplement un moment d'affrontement, et ça c'était vraiment très important, je pense, de le rappeler. Et puis, vous avez aussi l'émergence de grandes thématiques dans les années à venir. On le sent bien, notamment la thématique de l'histoire de l'environnement, de la guerre et de l'environnement. Et c'est un des thèmes importants de notre volume. C'est aussi une histoire vue d'en bas. Parce que la grande tendance depuis les années 70, depuis le grand livre de John Keegan, Anatomie de la bataille, c'est de faire une histoire qui est une histoire vue à l'échelle des combattants ou des civils. Donc c'est aussi un des grandes tendances de notre livre. Naturellement, c'est une histoire de la stratégie, c'est une histoire de la technologie, mais c'est aussi une histoire qui essaie de réintégrer l'humain au cœur même de l'étude du phénomène guerrier, et c'est un élément très, très, très important.